Konnichiwa tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur One Piece Dreamer. Et oui, il est là, il est enfin disponible. Malheureusement, pas sur la globale, mais en version chinoise. Alors oui, vous n'allez pas le trouver sur le store européen et tout ça. C'est très compliqué de l'avoir. C'est pourquoi je ferai une vidéo comment le choper. Comment essayer de l'installer tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai essayé avec mon iPhone, impossible, c'est pas possible. Alors j'ai Samsung Android. Alors là c'est possible. Si vous avez l'application QApps, vous n'allez pas le trouver. Si vous avez l'application TapTap, vous allez le trouver. Je l'ai installé mais ça marchait pas. Il y avait une mise à jour et la mise à jour ne fonctionnait pas, c'était pas possible. Après, donc du coup, il y avait une autre solution à installer Huawei, donc l'App Store de Huawei. Le problème, c'est que après, une fois que vous avez installé ça et que vous installez le jeu, eh ben, ça va vous demander d'entrer un numéro de téléphone chinois. Et donc, du coup, c'est pas possible. C'est pas possible sans numéro de téléphone de l'installer. Alors, il y a une autre solution, c'est avec Blibli. Donc, je vous mettrai, bah, de toute façon, je ferai une vidéo prochainement comment l'installer et tout. Pour ceux qui savent pas trop, alors ce sera sur Android. iPhone, il n'y a pas de solution. Il n'y a vraiment pas de solution comment l'installer. Hein. Franchement, je vois pas comment faire. Mais en tout cas, avec Android ou avec émulateur, donc sur PC, c'est possible. Donc il faudra passer par Blibli et ensuite après l'installer, autoriser des trucs et tout. Et après, comme ça, vous allez pouvoir y jouer. Alors il y a un truc que j'ai oublié de mettre. Donc du coup, il y a un truc que je vous conseille, comme l'étant chinois le jeu pour essayer de comprendre, c'est installer Tap Traducteur. Ça, vous le trouverez sur le store. Et ensuite, après, il y aura une petite bulle qui va se mettre, et on va la mettre, qui permettra de traduire le jeu. Donc ça, ça va être cool, donc on va le faire maintenant. Donc je l'ai mis, alors si vous l'installez, ils vont vous demander un truc pour payer. Vous mettez la petite croix, pas besoin de payer. Et ensuite, bah, après, vous allez dans la traduction, donc c'est ceci. Donc là, ça va faire un screen. Logiquement. Voilà. Alors faites glisser le bois de compétences au milieu de l'écran. Utilisez la carte de compétences. Voilà. Et après, pour quitter, vous faites ça. Et voilà, vous avez compris. De toute façon, là, il y a Red Chinois, comme on pourrait dire. Il suffit de faire ça. Ah, ça traduit encore. Bon, écoutez, on y va. On y va, c'est parti. Go. On commence le jeu. Donc, on met ça. Bon, j'espère que ça va pas bugger. Parce qu'à un moment donné, ça avait bugué. Ok. Donc vous remarquez que c'est un style de jeu tour par tour qui fait penser à Seven Deadly Sins. Donc là c'est la petite compétence, ok, donc on appuie. Bon, pour le moment on est dans le tuto, hein. Voilà, on voit un petit peu comment fonctionne le jeu, les attaques spéciales et tout. Incroyable, et vous remarquez derrière qu'il y a la musique... de l'opening cast de One Piece, donc quand c'est 2 ans plus tard. J'espère qu'il n'y aura pas de droit d'auteur derrière, parce que ça fait peur. Honnêtement, parce que c'est vraiment la musique et tout. Hein. Donc on verra, j'ai envie de dire. Et là, on va pouvoir jouer avec Zoro et Sanji. D'ailleurs, c'est l'introduction des 2 ans plus tard. Et on va affronter Monsieur Pacifista. Allez Zoro, c'est parti. Fais-nous une petite dinguerie. Ah ok, j'ai cru que je devais appuyer sur un truc. Et là, on appuie là. Sanju, oula, ça va péter. En tout cas, ça va, là pour le moment c'est fluide. Pour le moment ça rame pas. Au début quand j'ai mis le jeu, vous l'avez pas vu mais ça a ramé. Mais c'est parce que c'était en téléchargement. Ah ouais, classe. Donc la fameuse technique quand ils sont tous les deux et qu'ils éclatent le Pacifista, la cinématique et tout. Ah, j'ai vraiment peur pour les droits d'auteur. Hein. Ah ouais, quand il dit « Rayleigh, je serai le roi des pirates !» Incroyable. Voilà, la petite bulle, on va la mettre ici sur le côté, là. Comme ça, là. Voilà, ici. Comme ça, on la voit pas trop. C'est vraiment pour traduire parce qu'il y a des moments ça risque d'être compliqué. Hein. À un moment donné, c'est chinois. C'est bien plus dur que le japonais en plus à comprendre. Ah. J'espère que vous entendez bien le son.
J'ai fait en sorte de mettre le son un peu plus fort. Parce qu'au tout début, on l'entendait pas assez fort. Normalement, ça devrait aller. Sinon, j'augmente un petit peu l'intensité. Comme ça, vous entendez mieux. Ouais, on va augmenter un petit peu. Allez, à 19. Voilà, comme ça. Alors, attendez. Voilà, comme ça. En tout cas, les cinématiques sont très belles. Graphiquement, c'est très beau, je trouve. Franchement, et... Ah ouais. Alors, le jeu est sorti hier, en fait. En version chinoise. Alors, il y aura une version globale. Oui, il y en aura une, mais on sait pas encore quand. Avec la musique là. One Piece. We are. Là c'est le festin. C'est le grand festin. Je vais faire des screens là, attendez, je vais faire des screens. Là, je vais faire un petit screen. Ah ouais, donc voilà ici comment se présente le jeu. Donc on a fait vraiment le tuto. Alors, j'ai vu que dans les invocations, on peut avoir Zoro, Sanji ou Luffy. Je sais pas combien de personnages il y a. Vu que le jeu va de commencer. D'accord, ok. Attendez, il faut que je quitte ça. Voilà. Oh, classe. J'adore. Avec la ville comme ça. Ah, ok. J'avais pas appuyé sur le truc. Mais ça, il n'y a pas besoin de rentrer le numéro de téléphone, je crois. Attendez. Ah, si, 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 si. Mais vous pouvez rentrer votre numéro de téléphone européen ou quoi que ce soit, ça pose pas de problème avec Bibi. Donc je vais le rentrer. Évidemment, personne ne va voir mon numéro de téléphone. Écoutez. Mikio. Et je sais pas moi. Le samouraï. Vous voulez que je mette. Allez. Il faut que ça soit un truc valide. C'est bon, ça marche, j'ai réussi. Oh là, la galère, oufti. Oh là 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 là, en gros ce qui s'est passé, je vais vous expliquer, en gros, donc là j'accepte, c'est bon, ça c'est le règlement. Quand vous allez appuyer sur la petite bulle, vous allez devoir créer un identifiant. Et en gros, enfin, d'abord, comme vous l'avez vu, vous allez mettre votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un code, vous mettez le code que vous avez reçu, puis ensuite après vous allez devoir vous créer, enfin vous faire un identifiant. Sauf que c'est sous forme de caractère chinois, ce qui fait que c'est compliqué. Je vais poster l'article, comme ça, hop. Je vais poster ceci. Je le poste. Hein, republier. Voilà. Je republie le poste et tout. Alors du coup, avec mon Twitter, vous allez pouvoir voir l'idée. Pouvoir voir deux idées chinois. Donc il y aura les numéros et il y aura les caractères chinois. Vous mettez le premier caractère en chinois. Vous le copiez, vous le collez. Ensuite, vous prenez le deuxième numéro, mais pas le caractère chinois. Le deuxième numéro qui commence par 330. Vous le copiez et vous le mettez dans la deuxième ligne. Et ensuite, après, ça va fonctionner. Je sais pas si j'ai été clair, c'est compliqué, mais je pense que vous allez vous en sortir. Mais voilà, j'ai dû galérer. J'ai dit qu'il sortirait certainement sur la globale, mais on n'est pas sûr, donc je vais pas dire de bêtises. Alors, c'est un jeu qui sera, comme je l'ai dit, dans Seven Deadly Sins. Je sais plus comment ça s'appelle, donc un jeu de cartes où vous allez justement choisir les compétences à mettre et tout ça, enfin des combinaisons, il y a plusieurs combinaisons et tout ça. Seven Deadly Sins c'était super bien avec ce jeu là, alors sur One Piece ça va être incroyable, ça va être fou. Et il y a aussi un autre jeu qui s'appelle One Piece Fighting Patch, je l'ai pas encore essayé. Quand je l'essayerai, écoutez, je ferai une vidéo. Ce jeu-là est sorti il y a quand même 3 ans, un truc du genre. Le problème, c'est qu'il n'est pas sorti sur la version globale, il est sorti qu'en version chinoise. Décidément, les meilleurs jeux ne sortent pas sur global.
Alors, c'est fou parce que One Piece, c'est une licence culte. Ça m'étonne que ça sort pas, tu vois, en version globale. Ça parle de One Piece quand même. Et non. Voilà, donc du coup, ben voilà, One Piece Fighting Patch sera plus facile à installer que ce jeu-là. Je reviendrai sur One Piece Fighting Patch et écoutez, je testerai ce jeu-là parce que c'est vrai que One Piece Fighting Patch, ça a l'air d'être un peu un jeu, un petit peu comme Fairy Tail qui est sorti récemment. Et dans un univers One Piece, ça peut que péter. Bon, allez, on y va. Je propose de commencer. Et go. Ah oui, alors, il y a des serveurs. Comme vous voyez ici, je sais pas. Il y a plusieurs serveurs. Et on y va. Alors, dans ce jeu-là, on retrouvera vraiment les musiques de l'anime. Mais, remixé. Un peu remixé. Donc, vous attendez. J'espère que vous l'entendez bien. Alors, on va pas tout le temps traduire. Hein. Parce que sinon ça prendra un temps fou. Parce qu'en fait, pour traduire, en fait, regarde, je vous montre. En gros, voilà, ça va faire ça. Mon magasin est là-bas. Puis je vous prépare des délicieux plats. Pouvez-vous me faire entendre? Et après, je suis obligé de faire ça. Refaire ceci. Luffy, d'accord. Donc voilà. On va pas. Ah, attendez, il s'est passé un truc. Voilà, on revient sur One Piece. Voilà. Désolé. Voilà, et on va pas traduire tout, hein. Voilà. Monkey D. Luffy. Je remarque un petit truc que je vis. Ah ouais, ça c'est les cinématiques. C'est les cinématiques un peu comme dans Seven Deadly Sins. C'est fou à qui ils ont mis les musiques, quoi. C'est dingue. Donc là, c'est parti, on va se battre. Go. Ah, graphiquement, c'est joli, hein. C'est vraiment joli. Allez, on y va. Donc, ouais, c'est vraiment comme Seven Deadly Sins. Il y a deux cases ici à mettre. Là, on doit la mettre de la case gauche. Voilà. Quand on sera plus dans le tuto, ça va être mieux. Hein, parce que là, on sera libre et tout. On va pouvoir faire des dingueries. On essaiera peut-être d'aller faire des invocations si on peut. Claire, ça. Ah, je vais faire un skin à ce moment-là. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo tuto comment installer le jeu et tout ça. Voilà. Alors, on peut, de ce que je vois, avancer les cinématiques pour aller beaucoup plus vite. Voilà, on va mettre en x2. Voilà, et on peut mettre, voilà, juste en x2. Comme ça va beaucoup plus vite, ou on peut carrément skip. Mais là, on va laisser. Hein. Après, c'est vrai que... on comprend pas, quoi, mais bon... Si on connaît l'anime, voilà, on comprend plus ce qu'ils se disent et tout, hein. Voilà. Je sais pas jusqu'où va le jeu, hein. Honnêtement. Peut-être jusqu'au Wano Kuni.
そのために戦って死ぬなら別にいい。考えたこともなかったです。僕にもやれるでしょうか。僕でも海軍に入れるでしょうか。海軍？そうです。悪い奴を取り締まるのが僕の夢なんです。小さい頃からの夢なんです。やれるでしょうか。そんなの知らねえよ。やります。このまま雑用で一生を終えるくらいならここを抜け出してアルビナを捕まえてやるんです。そんな奴を仲間にして誰を捕まえるんだ。アルビダ、donc là on va affronter アルビダ。Je t'attends, Alvida. Tu me fais pas peur. Kaizoku Gari no Zoro, j'a nassassou da ne. Zoro, dare da, kono gotsui oba-san?Ah, c'est dommage qu'en fait si je fais ça, ouais, ça va couper. Je sais pas si en faisant ça, ça va te ralentir à chaque fois. Je tenterai pour voir après. Ah, c'est les visées quoi, c'est incroyable. Franchement, et ils font ça sur des jeux mobiles quoi.T'imagines, ils maîtrisent des musiques là sur des jeux PS5 et tout. Alors, on y va. Ok, donc là je mets la carte et là ça active quoi ça? Ça active une compétence. On y va. Et là on va frapper Alvida.Ce qui est cool, c'est qu'il y a des belles animations. Ça, c'est cool, ça. Et en plus, tu as des cinématiques pendant le combat. Ça, c'est cool, ça. Là, on leur voit valser et on n'en parle plus. Alors, on a déjà level 3. Je vais juste faire ceci. Nakama, on s'arrache des talus.コビーから海賊狩りのゾロと恐れられているロロノアゾロの噂を聞く。ロロノアゾロ。ルフィはロロノアゾロに会うため、コビーは幼い頃からの夢である海軍に入るために海軍基地の町シェルズタウンへと向かう。あー、モンシューゾロ、イレラ、イレプレゼン。簡単に逃がせるな。バカなこと言わないでください。あんなやつ逃がしたらどうなるか。ルフィさんだって殺そうとしますよ、きっと。大丈夫、俺強いから。もう、おいお前ら、目障りだ、失せろ。Mais je sais pas par qui a fait le jeu en fait. Ça, je serais pas dire. Je pense pas que c'est Netmarble, mais en tout cas, ceux qui ont fait le jeu, ils se sont inspirés de Netmarble. Hein. Les boulettes de riz.Oh, la musique.しぶとく、ああ、ちゃんと1ヶ月生き延びてやるさ。タタタン。まあ、
Ah, j'adore. C'est trop fort qu'ils ont mis les musiques. Je suis choqué. En plus, c'est vraiment... C'est pas vraiment remixé dans les musiques. C'est vraiment la vraie musique, là, j'ai l'impression. Les musiques officielles. Mais oui, c'est... Il n'y a pas de remix, là. J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Hein. Ah, Madame Nami. Elle est bien faite, hein. Je pense que là on va lui casser la gueule à lui. Bon, parfois il y a des temps de chargement qui sont un peu longs. Ouais, je le savais. C'est parti, bagarre. Excusez-moi si je baille, il est tard. J'ai mis du temps à télécharger le jeu et tout. Ça m'a pris du temps hein, avant de pouvoir y jouer. Alors, les attributs de l'ennemi seront affichés sur le côté gauche de la barre de santé. Nous pouvons choisir un partenaire plus approprié pour agir en fonction des attributs de l'ennemi. Main et je suis long en compagnon. Ok. Allez, on y va. Donc, ça on connaît. Donc, le type jaune est plus fort que le type bleu est plus fort que le rouge. Je crois que c'est ça, le rouge est plus fort que le jaune. Hein. Et Luffy, il est type quoi, Luffy? Qu'est-ce qu'il me dit, Chopper? Qu'est-ce qu'il me dit, Chopper? Chopper? L'attaque au pistolet en caoutchouc de Luffy peut causer des dégâts plus importants aux ennemis maîtrisés. Ah, donc on a des compétences. Après, un peu comme sur le Disney, on va me dire, mais... Ok, donc si on utilise le Kaichu... Ah non, c'est l'attaque au pistolet de Kaichu de Luffy peut causer des dégâts plus importants. Ok. Donc en fait, là, Luffy, il est type rouge. Et il peut frapper tout le monde. Bah ouais, avec son gâteau clean. C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on me dit là? Ah, donc là, attendez, là, je suis libre. Ah, donc là, c'est... ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, lui? D'accord, attends. Il va falloir justement voir un petit peu ce que ça dit. Récupérer toutes les valeurs secrètes de tous les partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les valeurs secrètes, je sais pas ce qu'ils veulent dire avec ça. Écoutez, ah oui, donc je peux choisir. En gros, soit j'attaque lui ou j'attaque lui. Je pense qu'on va attaquer lui, non? Lui, on s'en fout, lui. En vrai. Voilà. Et écoute, Kobe. Ah oui, donc il va récupérer... Bon, je sais pas ce qu'il va récupérer. On va voir. Ah, donc... Attendez, ça récupère des cartes? Ou pas? Non, parce que les cartes le sont automatiquement. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait, Kobe. Hein. Et là, on peut utiliser soit une carte. On peut carrément utiliser ça. Si on utilise ça, qu'est-ce qui se passe encore? Ah oui, donc si on utilise ça. Bon, par contre, là, je l'ai activé, donc j'ai pas le choix, je dois le faire. Mais bon, ça, c'est que c'est pour un ennemi. Et alors, vous voyez ici. On va. Je vais juste. Traduire pour voir ce que ça dit. Lance roquette en caoutchouc cause 2152 dégâts. Mais je crois pas que c'est 2152 dégâts. Et puissance d'attaque en un seul ennemi. Donc c'est pour un seul ennemi. Et 1002 chances d'étourdir l'ennemi. Donc il peut étourdir l'ennemi. Mais attends, hein. C'est 275%. Ok, d'accord, ok. Allez, on y va. Bah écoute, c'est parti. Go. Je crois que je l'ai fait sur le blond là, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Et c'est fini pour lui. D'accord. Je pensais que c'était fini, mais il faut vraiment mettre à terre tous les ennemis quoi. Je vais le mettre comme ça. Peut-être cinématique ici. En tout cas, c'est cool parce que ça reprend vraiment le début de One Piece.
mais je sais pas jusqu'où. Par contre, je crois que ça va durer très 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 longtemps. Parce que là, on est qu'à là. Et si ça va jusqu'au Wano Kuni et le tout dernier arc, ça va être long. Alors, on va aller sauver Zoro. Zoro qui a encore perdu. Ah, alors là, on va pouvoir jouer avec Zoro. Ça, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Et... ouais, donc on va pouvoir affronter lui. Hop. Go. Mettons Zoro. Et alors, on va pouvoir mettre, si je comprends bien, 6 combattants. C'est ça? Ou pas? Non, je pense pas. Je sais pas ce que c'est la case sur le côté. On verra par la suite. Hein. On verra ça. Ah oui, c'est ça que je veux voir. Est-ce que ça marche si je fais ça? Est-ce que ça va traduire tout le temps? Ah non, ok. Je voulais que ça traduise tout le temps, mais en vrai, ça reste figé quoi. J'espère que vous entendez pas un écho. Parce que j'ai l'impression que vous entendez un écho. Incroyable. Honnêtement, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre mon casque. Je vais mettre mon casque. Et là. Ouais. Parce que je sais pas si vous avez entendu un écho ou quoi. Alors pour être sûr, je mets mon casque. Allez, c'est parti. C'est la musique de Zoro, ça. Allez. Zoro, commence les hostilités. Bah, écoutez, on va frapper. Oh, bah, on fera plus. Ok. On continue. Ah ouais, il a pas pris beaucoup de dégâts en fait. Lui remet les valeurs. Oh, Zoro. Bah écoute, on va remettre les valeurs à tout le monde. Ah, c'est vraiment comme dans Seven Deadly Sins. Hein. En gros, à un moment donné, la carte elle va se synchroniser si vous l'avez deux fois en double. Et ce qui fait que ça va faire beaucoup plus de dégâts. Donc là, si on met Zoro, il va faire beaucoup plus mal. Oh oui, il a fait très mal. Mais attends, limite, il est terminé en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va faire lui. On va frapper lui. Et on... alors, j'utiliserai bien la compétence. Est-ce que... normalement, si je fais ça... si j'appuie là-dessus, est-ce que je peux utiliser la compétence de Zoro? Ah!
Donc je peux utiliser la compétence de Zoro. Ah oui, attendez, on va se faire plaisir. On va utiliser la compétence de Zoro. Victorio. Incroyable, c'est dingue. Moi, j'adore. Hein. Les animations, elles sont incroyables. Oh, la ratatinée. Hein. En plus c'est bien fidèle parce que ça reprend vraiment le manga animé quoi, c'est tout est parfait en fait. Je veux dire ils ont pas loupé des scènes ou quoi que ce soit quoi, c'est vraiment comme ça quoi. Là, il a dit tu t'es fait un sacré ami. Hein. Elle lui dit, ouais. Ah, là on passe aux deux ans plus tard. Pourquoi on passe aux deux ans plus tard là? Qu'est-ce que ça dit ça? Entrez certainement peut-être votre nom. Chef passionné Ino. Ah non, ok. Ok. Alors. Je m'appuie là-dessus. Ah, on est dans le bar, là. Attendez, on était dans le Sony? Dans le bar? Ah non, ouais, dans le bar. Quand il se retrouve 2 ans plus tard, là. Et là, on va voir Nami. Elle est belle, là. Elle a une sacrée paire. Ah, on peut dire ça. Hein. Ah, ça a un peu ramé là. Ah, pour jouer avec Nami. Alors, on peut pas jouer pour le moment les personnages 2 ans plus tard. Si, en faisant des invocations à mon avis. Mais pour le moment, on a ces personnages là. Ok, on a débrouillé quelque chose. Bon, on clique dessus. Et là, Nami. Et j'adore les illustrations des personnages. C'est incroyable, c'est magnifique. Ouais. En gros, attendez, je vais quand même traduire. C'est bien, c'est pratique quand même, hein. Ça permet de traduire. Mise à niveau. Compétences. Ok, donc là c'est pour les compétences, le talent. D'accord, ok. Ouais, Nami. Donc là, on la met level 5, c'est ça? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le livre? Augmentez votre force, cliquez ici pour terminer la mission. Ah ok. Et là, en gros, bon, je suis obligé de cliquer là-dessus. Oh là 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 là, là la musique. Ah ouais, c'est trop bien fait ça. Là t'as le Sony. Et tu vois la carte justement où tu vas et tout ça. Et là on se dirige au chapitre 3. Donc là on t'a marine. Là on va aller je ne sais plus c'est où là encore. Normalement on va aller chercher. Ah non, oui je sais où on va. C'est vrai. Je veux dire Usopp. Non. On va à affronter Baggy. Baggy le clown. Et c'est là où on va voir Nami. Ok,
Baki. Ouais. Baggy, baggy. Bah écoutez, on continue ou pas? Parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps en fait. Donc je sais pas. Moi ce que je propose, c'est qu'on se retrouve pour une deuxième partie. Ça vous dit ça ou pas? Parce que sinon ça va durer une heure, ça va durer trop longtemps. Donc on va faire ça. Du coup moi je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouvera pour la suite de l'aventure sur One Piece Dreamer Pointer. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Attendez.